La préparation de notre première communion se déroulait le mercredi après-midi à l'école de notre village. Bonjour Sandrine, bonjour Venceslas. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour les enfants. Installez-vous et ouvrez votre livre. Qui veut me dire ce qu'il voit? Lucie? Je vois trois copines qui jouent ensemble. Très bien. Qui c'est qui veut raconter la suite? Alexis? Deux des filles jouent au foot. Fanny, tu continues? La troisième fille sort de chez elle, mais une des filles lui ferme la porte et maintenant elle boit. Eh oui, les enfants, des fois c'est comme ça, les amis se font la tête. Écoutons maintenant une histoire de Jésus. Après avoir quitté secrètement Capharnaüm et traversé la Galilée, Jésus est de retour dans la maison d'André et de Simon. Encore ce Nazaréen. Ayant appris la nouvelle, les villageois se précipitèrent pour venir écouter son enseignement. Quatre hommes lui amenèrent un paralytique. La foule était dense et ils décidèrent de le faire passer par le toit. Venez, venez, on passe par le toit. Regardez là, l'escalier. Ne bouge pas, tout va bien se passer, ça va bien se passer. Mon marteau, vite. Allez, il faut casser ces pierres. Allez, Encore un petit peu. Voilà, ça s'est entièrement cassé. Attention, doucement, doucement, pas de gestes brusques. Attention, voilà, c'est bon. Regardez le toit, regardez le toit. Eh bien, dis donc, tu as la foi, mon fils. Tes péchés sont pardonnés. C'est un imposteur! Cet homme blasphème! Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire, mes amis? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Lève-toi et marche! Youpi, youpi, je suis guéri! Cet homme est vraiment le fils de Dieu! Après avoir compris l'importance du pardon et confessé nos péchés, nous nous rendions à l'église. Le curé avait préparé le pain. Celui-ci était devenu le corps du Christ. Après l'autre, nous avions pour la première fois communié et nous étions maintenant pour toujours les amis de Jésus. Bien vivant, Jésus.